Voici notre inspiration numéro 2, le Coral Reef de Lisa Haynes. Donc, ce projet-là, je l'ai tricoté avec 4 balles de cachemire, un beau projet intemporel. Il y a un petit défi dans celui-là. Donc, en réalité, il y a deux versions. Il y a une version plus courte que moi, j'ai utilisée parce qu'on a déjà donné un cours en boutique. Donc, j'ai fait la grandeur réelle du patron. Mais la designer, elle nous montre qu'on peut allonger le projet en, ici, là, les bandes qui sont plus droites. Donc, vous allez allonger ici, puis vous pouvez refaire un autre motif aussi. Juste bien peser les balles pour être certain de ne pas manquer de balles. Donc, au moins, vous allez plus utiliser les 4 balles que vous avez. Donc, à la fin, vous avez un défi. C'est dans le fond, c'est de placer les marqueurs au bon endroit pour pouvoir avoir des belles lignes droites et constantes. Donc, vous faites des augmentations, puis par la suite, vous faites des diminutions. C'est bien